Vraiment, restons attentifs. Peut-être dans les jours à venir, le Congo-Brazzaville sera aussi touché. Et Dieu a plusieurs manières de faire les choses. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, c'est là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pendant que vous citez le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, seulement, l'actuel président doit disparaître sur la scène politique après 2026. Et il doit accepter de sortir par la grande porte. Après son mandat, il doit accepter de sortir par la grande porte. Mais sinon, il est poussé même, avant 2026, de sortir par la petite porte. Il sera menacé, attaqué même. Alors, pour qu'il reste jusque même à la fin de son mandat, il doit dire lui-même. Il doit vraiment, je regarde la caméra, il doit dire lui-même ses intentions, que ça c'est mon dernier mandat. S'il dit ça même maintenant là, il va rester pour achever son mandat. Il vivra un peu pour finir. Mais s'il ne le dit pas, la petite porte le... Il va sortir par la petite porte, voilà. Voilà. Vraiment, restons attentifs. Peut-être dans les jours à venir, le Congo-Brazzaville sera aussi touché. Et Dieu a plusieurs manières de faire les choses. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, c'est là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pendant que vous citez le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, seulement, l'actuel président doit disparaître sur la scène politique après 2026. Et il doit accepter de sortir par la grande porte. Après son mandat, il doit accepter de sortir par la grande porte. Mais sinon, il est poussé même, avant 2026, de sortir par la petite porte. Il sera menacé, attaqué même. Alors, pour qu'il reste jusque même à la fin de son mandat, il doit dire lui-même. Il doit vraiment, je regarde la caméra, il doit dire lui-même ses intentions, que ça c'est mon dernier mandat. S'il dit ça même maintenant là, il va rester pour achever son mandat. Il vivra un peu pour finir. Mais s'il ne le dit pas, la petite porte le... Il va sortir par la petite porte, voilà. Voilà. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. La nuit est tombée, l'homme de Galilée reste avec moi. La nuit, là, c'est quoi? C'est tes problèmes, tes situations difficiles. Moli le koti na vina yo, nzamba zala na yo, atika la na yo. Mabe koti na santé na yo, men nzamba zala na yo. Moli le koti o lembi o komi na souka. Mais le Seigneur doit être avec toi. Ça veut dire que la nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivée au bout de ma vie. Mais l'Éternel Dieu des armées reste avec moi. Je suis arrivée au bout. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, na situation nanga, nazo kokali susute. Je suis arrivée au bout. Fils de l'homme, reste avec moi. Les médecins ont dit que je suis sereux positive. Seigneur, reste avec moi. Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution. Les gens, les médecins ont dit que j'ai le cancer. Seigneur, malgré la maladie, et ils ont dit, mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi, je trouverai la guérison. Hé, Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti. Seigneur, même s'il est parti, le consolateur c'est toi. Reste avec moi. Balobi nanga que je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Éternel des armées, malgré cela, tu es capable de me donner des enfants, même si je n'ai pas de trompe. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Je n'ai plus d'argent, mais moi je sais que l'or et argent appartient à l'Éternel. Nzamba futaka, ce qui n'a qu'au bangaye. Seigneur, reste avec moi, parce que je sais que si tu es avec moi, situation n'a qu'au changer. Si tu es avec moi, n'a qu'au mamoutou moussousou. Si tu es avec moi, je veux témoigner. Si tu es avec moi, je veux passer de victoire en victoire, c'est ça. La nuit est tombée, Seigneur, reste avec moi. Il y a un sujet qu'on ne parle pas.
quand tu vas tomber dans l'impudicité, tu commences à prier comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je suis tombé, je reconnais. Même si je suis tombé dans l'impudicité, Seigneur, ne tombe pas, reste avec moi. Avec une bonne repentance, Seigneur, aide-moi à ne plus tomber. C'est ça en vérité. Tu dois renouveler ton intelligence. Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Moli les côtés. J'ai souillé ton temple. Dans l'impudicité, tu tombes et tu tombes encore enceinte. Seigneur, reste avec moi. Tu vas avorter. Après avoir avorté, tu ne sais plus dire, Seigneur, déjà tu as péché au soumouki, au lieu de garder moi, au lieu de garder toi, que ce soit quoi avorter. Eh bien aimé, ma soumou. Malgré wana, Seigneur, reste avec moi. Tu vas prier, c'est comme si, comme tu vas commencer à prier, le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de femmes ont avorté, ils ne prient plus. Au longola basé mes bébés, au coma kaka soni soni, au coma non. Nzambaboya mututé zonga, c'est la repentance. Na moi bewana salité koti molili, tu reconnais, Seigneur, je reconnais que je trébuchais. Seigneur, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Seigneur, j'ai fait le mal, je fais ceci. Si tu commences, Seigneur. Molili les akaka difficulté que ma soumou na biso peto salaka trop. C'est aussi le ténèbre. Malgré cela, repentance, reste avec moi. Ne m'abandonne pas, reste avec moi. Reste avec moi. Dans la situation où je me trouve, Seigneur, reste avec moi. C'est ça. Que personne ne te trompe, Dieu est un père. Dieu n'est pas un, Dieu n'est pas comme les gens nous disent là. Non, Dieu est un père. Hein? Donc quand tu te lèves, tu pries, dans la repentance, il agit. Tu dis, Seigneur, je reconnais. Dès que tu vas commencer à reconnaître, la gloire de Dieu va revenir vers toi. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu viens, tu te réponds, le Fils de l'homme, il se retourne et il te donne encore sa gloire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Dans la situation où tu te trouves, la nuit est tombée, le Seigneur reste avec moi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je le dis, le Seigneur, écoute-moi bien. Hein? Le Seigneur est avec toi. Dans la situation où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Non, même si le ténèbre est jusqu'à là, le Seigneur est avec toi. Tu pries. Quand plus tu vas prier dans les ténèbres, la prière va augmenter, va commencer à éclairer. La prière Saint-Esprit, bandiko kote, bandiko opéré, bandiko façonné, bandiko longola, ma bémouine kobota. Le Saint-Esprit les aïe moko nzambé. Que mon Dieu vous bénisse, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bye. Mon âme, bénis le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Nanga na yonde na tendelikia yawe oza nzambe nanga oza musungi nanga na yonde na tendelikia yawe 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 ko oh. Yonde yonde nyoso yanga Talela de nani na yo yo basundola pe babwaka na maiye na soluka lisungi na nyako bimisanga na soluka lisungi we'll be right back.
Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui, c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Nengeni nyantinda banana na kelasi. Yeba ke yoza parent za vivant, ozo kanisa banana yo, mais apena bana misusu bazana posa okende kelasi, mais ba parent bazali susuti. Tangisa orphelin moko, nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alandele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zoata deux ou trois enfants oyo botite salango na komboye sumasia au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le père des orphelins aozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko néglige liloba oyo te. Tchango na misala, sunga orphelin moko. Zamba pambola biso. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le site Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin de, parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.